Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'heure politique pour un nouveau débat dans le cadre de ces élections cantonales. Aujourd'hui, nous allons parler de développement du tourisme à Mayotte. Et j'ai la chance d'avoir pour ce débat autour de moi deux invités, deux candidats sur deux cantons différents. Tout d'abord, Inaya Salimini, qui est candidate sur le canton d'Mbeni-Bandrélé. Bonjour Inaya. Bonjour Anne-Constance. Ça va? Ça va très bien, merci de nous avoir invités. Et puis face à elle, il y a Sindou Atoumani, qui est candidat sur le canton de Chikoni-Ouangani. Bonjour Sindou. Bonjour Anne, bonjour à la population de Mayotte, bonjour et plus particulièrement à la population du canton de Ouangani. Tout va bien pour tout le monde, on y va? Ça va très bien, merci. Alors, on va parler du tourisme. Vous savez, le conseil départemental a fait du tourisme un axe de développement économique fort du département de Mayotte, et ce depuis plusieurs années. Et on va revenir justement avec les invités sur le développement du tourisme à Mayotte. Alors, finalement, madame, monsieur, on en est où du tourisme à Mayotte? Est-ce qu'on en fait assez aujourd'hui, Sindou? À la lecture de par rapport à ce qui se passe à Mayotte, moi quand je regarde les chiffres, j'ai pas vu un endroit où ils disent que ce qu'on fait à Mayotte est suffisant. Donc moi quand je regarde les chiffres, je vois à peu près 52 000 visiteurs dans l'année, à peu près en moyenne. Et parmi les 52 000 visiteurs, on a 65% des touristes type affinitaire. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent en vacances et tout ça. Voir leur famille, en fait, c'est ça. Voir leur famille et ils repartent. Et quand on va rester sur ces tourismes affinitaires, on risque de ne pas trop développer Mayotte par rapport à ça. On a aussi tout ce qui est le nombre d'infrastructures hôtelières, que ce soit le nombre de lits. Ils parlent que de 1000 lits vendables à Mayotte. Et il parle aussi de, au niveau tourisme d'affaires, on n'est que à 10% à peu près des tourismes d'affaires, alors qu'on doit tout faire pour favoriser tout ça. Après, on a aussi l'histoire de, par rapport au fait que Mayotte doit avoir des communications fortes sur le tourisme, mais je reviendrai pour vous expliquer mon avis, comment on peut développer le tourisme à Mayotte avec ce qu'on a à Mayotte ici. Inaya, pourquoi ça ne décolle pas finalement le tourisme? C'est parce que le conseil départemental ne fait rien ou il y a d'autres raisons? Je dirais qu'il y a deux choses. Déjà, au niveau du conseil départemental, effectivement, et au niveau de la population elle-même, en fait, parce que il faut savoir que s'engager dans le tourisme, c'est financièrement, économiquement et politiquement, il faut être armé. Et donc, si l'un ne favorise pas l'autre, donc c'est tout à fait un échec. Enfin, ça revient à dire que c'est un échec. Madame, monsieur, est-ce que nos professionnels du tourisme à Mayotte peuvent rivaliser avec nos voisines malgaches, nos voisines mauriciennes en termes d'accueil, de prestations de services, de tarifs? Est-ce qu'on a une chance dans cette bataille de l'océan Indien sur le tourisme? Moi, aujourd'hui, à Mayotte, Mayotte ne doit pas aller forcément dans un premier temps pour aller rivaliser avec les voisins. Ce qu'on doit faire à Mayotte, c'est déjà voir tous les acteurs des forces publiques, notamment à partir des communes, de l'intercommunalité, du département et de l'État. Se mettre autour d'une table et voir la réalité du terrain. Mais ça a déjà été fait, La réalité du terrain. C'est-à-dire que malgré qu'il y a eu des schémas régionaux de développement touristique qui a été pondu avec des objectifs et des actions à mettre en place, tout ça, ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce qu'au fait, on n'a pas regardé la réalité mahoraise. On ne va pas parler aujourd'hui de faire venir les grands hôtels à Mayotte alors que le Mahoré, lui, qui veut construire un projet de ne serait-ce que des bungalows locaux, lui, il n'arrive pas à faire ça. Je ne sais pas pourquoi on va appeler les grands hôteliers pour venir ici pour régler cette affaire-là. On a aussi le souci de tout ce qui est restaurant.
puisque c'est une filière touristique, auquel si le tourisme arrive sur Mayotte, ils doivent avoir un endroit pour manger, ils doivent un endroit pour... C'est-à-dire que nous, pour développer le tourisme, moi, mon avis là-dessus, il faudrait être réaliste. C'est-à-dire qu'on doit peindre ce qu'on a ici en potentiel sur Mayotte, et c'est à partir de ça qu'on va développer le Mayotte et un jour peut-être aller rivaliser les voisins par rapport à ce qu'on a ici. Le schéma départemental du tourisme, il est trop ambitieux, Inaya ? Il ne répond pas à ce que les opérateurs locaux sont capables de faire ? Il est très ambitieux, mais il faut déjà réfléchir à un schéma avant de mettre en place. Et puis, comme il dit mon collègue, à partir du moment où on réfléchit à un schéma, c'est de mettre en place étape par étape. Et ça, le conseil départemental ne l'a pas fait ? L'a pas fait. Pourquoi ? Parce que je dirais tout simplement parce qu'il n'a pas vu les enjeux sur ce domaine, les enjeux sanitaires, les enjeux sécuritaires, les enjeux de développement économique, parce qu'il faut que tout le monde trouve sa place. Mm-hmm. C'est-à-dire que les commerçants trouvent leur place, les exploitants hôteliers trouvent leur place, les personnes... Les acteurs de tous les jours, les personnes actives, que ce soit les serveurs, les gestionnaires en hébergement, que ce soit que tout le monde retrouve sa place. Mais alors, finalement, là, c'est la crise sanitaire, les restaurants sont fermés, les hôtels sont ouverts, fermés depuis un an, c'est quand même difficile. Est-ce que vous pensez que les professionnels vont arriver à se remettre de cette crise extrêmement violente pour ce secteur ? Sandou ? La crise est venue par rapport... la crise est venue, mais il faudrait... Au fait, c'est devenu un critère de plus sur notre manière de réfléchir. C'est-à-dire que c'est un paramètre auquel, quand on va faire un projet... Il y a plein d'entreprises de tourisme qui vont disparaître. Les entreprises peuvent disparaître, mais on peut faire quelque chose pour relancer ces entreprises de tourisme. Comme le demande le MEDEF depuis hier. Exactement. Puisque quand on dit qu'on va relancer l'économie au niveau du filière touristique... On va le relancer, mais il faut dresser, se dire, est-ce qu'avant, ça a fonctionné ? Est-ce qu'avant, ça a fonctionné ? Moi, quand je vois les chiffres que 65% des touristes à Mayotte, c'est de type affinitaire, il va falloir peut-être creuser là-dedans. Comment on va faire pour que le Mahoré lui-même s'intéresse au tourisme ? C'est-à-dire partir avec nous, les Mahorais, qui vivons sur ce territoire. À partir de là, s'intéresser au tourisme, c'est quoi ? C'est... Aller quand on habite Ouangani, c'est aller à quoi pour voir combien c'est joli, c'est ça ? Exactement. Et là-bas, tu vas faire des dépenses, tu vas manger là-bas, tu vas... Et c'est à partir de là aussi qu'on peut relancer. Par exemple, le dispositif que le conseil départemental a mis en place, le repos des héros, toutes les aides-soignants et tout ça, les personnels, c'est ça. Voilà. Ils ont donné 600 000 euros d'aide pour permettre à ces gens-là de faire du tourisme à Mayotte. Donc ça peut être, Oui, je suis encore une fois d'accord avec lui. C'est redynamiser le tourisme par le biais des personnes qui sont des acteurs qui sont sur le territoire. Que ce soit les médecins, que ce soit les enseignants, parce qu'on en a beaucoup qui sont sur place. Les Mahorais eux-mêmes, au niveau maritime, on a des belles plages quand même. On a favoriser les sorties bateaux, les sorties aériennes. Comme on a vu avec... Mais Inaya, est-ce que la formation des professionnels du tourisme est suffisante ? Autrement dit, est-ce que la qualité de service, est-ce que l'accueil est au rendez-vous dans les entreprises de tourisme aujourd'hui ? Non. Pourtant, le conseil départemental dépense des millions d'euros tous les ans en matière exactement. De formation. Exactement. Ben, je suis d'ailleurs majeure de la promotion 2013. C'est vrai, j'avais oublié. Bien 2013, sûr, vous me l'avez dit, oui. Tout à fait. Et je suis partie faire une formation, madame. Madagascar, financé par le département, mis en place par la mission locale. Aujourd'hui, quand nous sommes retournés à Mayotte, on avait plein d'idées. Surtout moi, j'avais plein d'idées. C'est de remettre en place un village carrément ancien, hein, avec des maisons en terre battue, avec une maison de feuilles de coco, manger local, avoir tout ce qu'il faut en fait pour développer le tourisme. Ce que j'ai vu en tout cas à Madagascar. Mais arrivé, la réalité, elle était là. Ça ne suffira pas parce que justement, non seulement il n'y a pas les structures,
mesure. Il n'y a pas un accompagnement réel parce qu'arrivé sur le territoire, on nous a laissé. On les a laissés à l'abandon. Il fallait refaire une autre formation pour aller à Maurice. Et moi, en arrivant ici, 28 ans, ça ne m'intéressait plus. Moi, je voulais m'insérer. C'était une formation pour m'insérer, et, ainsi que les autres. Ça pas... Mais envoyer les jeunes en formation à Maurice et à Madagascar, c'est chouette. Mais les diplômes ne sont pas reconnus par l'État français. Comment on fait ? Pour moi, envoyer les gens en formation ailleurs qu'à Mayotte, pour moi, c'est une erreur. Pourquoi ? On doit faire le tourisme à Mayotte avec le potentiel existant sur Mayotte. Oui, mais je ne suis pas d'accord. Les gens qu'on envoie, en formation ailleurs, ils retournent à Mayotte, mais ils ne vont toujours pas comprendre c'est quoi le potentiel et les atouts qu'on a dans ce territoire. Non, je ne suis pas d'accord. S'ils font leur formation ici, ils vont apprendre à découvrir ce que c'est Mayotte et avoir tous les potentiels existants sur l'île. Et c'est à partir de là qu'on peut développer le tourisme sur le territoire. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord dans le sens où, comme je dis, j'en témoigne, je suis moi-même touriste à Mayotte. Hein, je fais les sorties bateaux, je fais les sorties pédestres, je visite Mayotte. Mais cette formation, justement, m'a permis de découvrir autre chose pour ramener à Mayotte. Parce que moi, autre chose ? C'est le service. C'est le service, c'est l'accueil. C'est l'accueil chaleureuse que les Malgaches, ils ont, et les Mauriciens, ils ont à faire venir les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on arrive dans un hôtel à Mayotte, on a les gens devant nous, en face de nous, qui sont complètement fermés, qui ne sont pas souriants, ils sont aigris. Quand on va nous servir. C'est un peu vrai. Voilà. Et puis dans les chambres aussi, la qualité, elle n'y est pas. Moi, je suis désolée, il faut prendre un moment pour faire une chambre. 5 minutes, mais tout est à refaire, tout est à prendre. Donc du coup, sortir, apprendre et amener, moi, c'est oui, mais Maurice, j'encourage au contraire. Maurice et Madagascar proposent des formations qui ne sont pas reconnues par l'État français. Alors comment on fait ? Parce que les jeunes qui se forment, ils ont envie d'avoir des diplômes qui vont leur permettre d'évoluer dans leur carrière. Et est-ce qu'on fait comme il faut là ? C'est là aussi, quelque part, je dirais, le bémol qu'il y a, mais ça ne doit pas nous décourager. Moi, par exemple, c'était le Greta qui a reconnu le diplôme malgache, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous devons travailler en collaboration avec le rectorat, peut-être mettre en place ce système de reconnaître les diplômes étrangères au niveau territorial, parce qu'on manque vraiment de moyens et de personnes qualifiées. Alors, pour aller sur un autre sujet, parce que le tourisme, c'est vaste, le débat est finalement pas si long, il faut qu'on aborde toutes les problématiques. Un mandat qui s'achève et on est toujours à 1000 lits vendables. Sindou, vous le disiez tout à l'heure. Comment on fait pour développer le nombre de lits à Mayotte ? Lits vendables, hein ? Les lits vendables, au fait, comme j'avais dit tout à l'heure, au lieu d'appeler les grosses structures hôtelleries qui vont venir sur Mayotte, on peut commencer déjà à voir tous les projets qui sont à Mayotte. Des jeunes qui veulent s'installer et qui veulent construire des bangas avec des financements pas très très coûteux. Donc on peut commencer à aider ces gens-là. Et à partir de là, on a aussi des solutions. À Mayotte, il y a beaucoup de gens qui construisent ici. Pourquoi pas faire une sorte de Airbnb comme en métropole pour pouvoir justement augmenter le nombre de lits à Mayotte. Mais ça existe quelque part, un inbox, ça existe. Il y a des personnes qui font entre autres des Airbnb, comme vous dites. Il y en a à Mayotte, ça existe déjà. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, que c'est arriver jeune mahoraise ou jeune mahorais sans moyens financiers et que le département propose, en plus de ça, ils aident. Mais après, il n'y a pas d'accompagnement. Oui. C'est le problème, le vrai problème, c'est qu'il y a l'accompagnement de la formation. Parce que moi, pour moi, j'appelle ça mettre de l'argent, jeter de l'argent par la fenêtre. Parce qu'aujourd'hui, heureusement qu'on a d'autres diplômes, qu'on a d'autres compétences ailleurs, on peut s'insérer. Mais sinon, moi, mes autres collègues, ils sont en métropole, je ne sais même pas ce qu'ils font. Je prends un exemple. C'est vraiment dommage. La baie des Tortues, ça fait début de mandat, le projet a été attribué à un opérateur économique, on est en fin de mandat, il a croulé la boutique. Tout à fait. Comment ça s'appelle, l'hôtel qui doit avoir le jour, peut-être un jour, devant le port de plaisance à Mamoudzou.
on ne sait pas trop où ça en est. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Au lieu d'aller sur des investissements lourds. Mais c'est des Mahorais. Mais oui, justement, mais c'est ça, l'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. Au lieu d'aller sur les investissements lourds, vaut mieux partir sur un projet viable qu'on puisse terminer rapidement et réfléchir sur des projets. Mais la baie des tortues, ce n'est pas un projet lourd. À long terme. Ce n'est pas des projets lourds. C'est des bungalows. On a aussi le conseil départemental qui est représenté par le comité départemental du tourisme. Qui est juste derrière nous. Donc, il faudrait un moment aussi voir que fait le comité départemental. Mais est-ce que c'est le rôle du comité départemental du tourisme d'accompagner les porteurs de projets à construire leur hôtel? Quelque part, c'est pas son rôle, mais quand même il y a la vision, comme dit mon collègue, il y a aussi la connaissance, parce que on met pas un directeur ou un représentant du comité de tourisme ou de l'office de tourisme s'il n'a pas ne serait-ce que quelques notions, ou bien autour de lui. À l'équipe donc, est compétente, très, très compétente. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est pas trop tard de toutes les façons de construire Mayotte. C'est pas trop tard. Donc il faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits, c'est tout. Alors que devrait faire... Vous allez être élu, je vous le souhaite, le 20 juin. Inch'Allah. On l'espère tous. Vous allez être élu. Qu'est-ce que vous allez faire de plus ou de moins ou de différent que ce qui a été fait dans ce mandat et qui semble n'avoir amené aucun résultat, à vous écouter? Moi, au niveau du schéma, au niveau des diagnostics, tout ça, moi, je vais arrêter de faire tout ça. Mm-hmm. Je proposerai à partir du schéma existant, notamment, c'est sûr que dans le schéma le SAR, ils en parlent du tourisme dedans. Oui. Et il faudrait voir quels plans d'action qui sont mis dedans et à partir de là, voir est-ce que ces plans-là, c'est réalisable tout de suite ou bien il faudrait réfléchir à des choses qui sont réalisables immédiatement. Donc moi, je dis faire Mayotte une nouvelle destination originale par rapport... Mais c'est quoi une destination originale par rapport aux 5 étoiles de Maurice? Originale, attractive et... Il ne faudrait pas oublier le thème rassurante. Parce qu'on connaît l'insécurité qui existe à Mayotte. Inaya, comment on fait pour régler le problème de l'insécurité? Si vous êtes élu, vous faites quoi? Sur le sujet typique, on plaisantait en préparant l'émission sur les randonnées pédestres qui devaient voir le jour à Ouangani. Au début, il y avait tous ceux qui partaient se faisaient dépouiller. Ça calme hein, quand même. Comment on fait pour régler ce problème-là? Mais de travailler avec les acteurs communaux, c'est-à-dire qu'une entité comme le département, pour développer le tourisme, il doit travailler en collaboration avec les mairies. Mais pour faire quoi de plus? Parce que c'est les mairies qui font tout aujourd'hui. Ben oui, mais une création, et l'Académa, je veux dire, oui, aujourd'hui. Ou les interco, bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, chez 3CO, comme en Petite Terre, les comités sont dynamiques, mais comment on les aide? C'est pas le conseil départemental, là, c'est la volonté des communes et des interco. Qu'est-ce que le conseil départemental ferait si vous êtes élu de plus? Mais moi, pour ma part, je mettrais l'accent sur la sensibilisation en fait de voir des jeunes en fait qui sont déjà dans les milieux associatifs et de le mettre sur les points, parce que comme on l'a fait actuellement, là on le fait avec les associations, on a l'association Lazy qui a beaucoup de jeunes en fait qui sont même des moins jeunes hein, des femmes et des hommes qui sont sur les sites qui protègent entre autres les passants, les jeunes, les enfants, donc c'est perpétuer cette initiative et le perpétuer et l'accentuer. Qui a été mis en place par l'État, notamment les médiateurs. Ce type de médiateur. Et ça peut être. Qui pourrait sécuriser les parcours. Ça peut être un levier que la commune travaille avec les associations aussi pour permettre aider à travers au niveau sécurité. En matière, en tout cas, sécuritaire, voilà. Alors, mettre des médiateurs. Je reviens sur un point à côté, en marge du tourisme. Hein, il y a les questions environnementales. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut raisonnablement espérer ou vouloir développer le tourisme alors qu'à partir du mois d'octobre on n'a plus d'eau et que ça va durablement durer, hein, c'est pas exceptionnel, et qu'on n'a pas d'assainissement pour les eaux usées des hôtels? Comment on peut développer du tourisme dans ces conditions, Inaya?
Moi, j'ai pensé à la récupération d'eau usée, justement, pour le nettoyage. Là, il y a le site du SOGEA qui est au niveau de Mtsapéré. C'est d'étudier, en fait, en marge, en fait, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour, quand on récupère l'eau, pour le rejeter dans la mer, comment ça se passe. En fait, c'est tout un travail, c'est tout un panel de travail en commun avec les syndicats, le syndicat des eaux. Et puis, sortir ces projets qui sont dans les tiroirs, en fait, pour la construction des usines de dessalement, parce qu'on a quand même la mer, on a de l'eau de la mer. Mais ça va durer des années avant que ça voie le jour. Mais c'est quand même des projets structurants. Et chaque fois qu'il y a des projets structurants, ça dure des années, parce qu'il y a des études. Il y a des études de faisabilité, de concrétisation et de réalité du terrain aussi. Donc, du coup, tout ça, il faut mettre sur la table et puis avancer. Le problème ici, peut-être on ne va pas regarder le court, le moyen et le long terme. Quand on parle du sujet de la sécheresse à Mayotte, il faut voir quels moyens peut-on avoir de l'eau sans qu'on va prendre 4 ans, 5 ans à faire des études. Et qu'on ne peut pas dire qu'à Mayotte, il n'y a pas d'eau. Moi, je dis l'exemple de Ouangani. Le village de Ouangani est traversé par une rivière et l'eau va directement être rejetée dans la mer. On a toute Kokoni, qui est une zone humide, auquel il y a l'eau 365 jours dans l'année. Et que peut-être que si on va traiter cette eau-là, on peut avoir de l'eau. Il y a aussi le forage, qui est une solution qui n'est pas trop chère et qu'on puisse avoir de l'eau sans aller faire des usines auxquelles on ne pourra pas voir le jour dans la manœuvre. J'ai une dernière question, madame, monsieur. Est-ce que, on parle beaucoup du développement du tourisme de Mayotte dans le cadre des îles Vanille auxquelles Mayotte appartient, est-ce qu'on a réellement une chance d'émerger, d'attirer des touristes à Mayotte dans le cadre de ces îles Vanille? Moi, je suis optimiste par rapport à ça. Et qu'il faudrait, comme j'avais dit tout à l'heure, voir la réalité de Mayotte. On ne peut pas faire du tourisme à Mayotte avec du potentiel qu'il y a à La Réunion. On a nos atouts ici, troisième plus beau lagon du monde. On a tous les patrimoines, on a la flore, on a tous les atouts, que ce soit artisanal, tout ça. On doit commencer déjà à mettre tout ça en valeur et faire intéresser à un Mahorais que toi-même, tu peux être touriste, même si tu ne voyages pas à partir de Mayotte. À partir de là, on peut développer le tourisme à Mayotte. Inaya, les îles Vanille. Je le rejoins. On a le même dialogue. Là, dans ce cas-là, on est d'accord. C'est le développement déjà des atouts qu'on a sur le territoire. Hein, le monument des usines sucrières qu'on doit mettre en lumière. Notre patrimoine matériel, immatériel. Notre culture, notre salouva, notre masque de beauté, de tout ça, de champs de manioc, la gastronomie. Donc voilà, il y a beaucoup de potentiel. Donc, si je vous comprends bien, et si je résume, vous allez me dire si je me trompe, mais avant de s'embarquer à faire venir des charters complets, remplis de touristes, faisons déjà en sorte que nous, les habitants de Mayotte, on devienne touristes sur notre propre île, c'est ça que vous dites ? Exactement. Moi, je suis sur les deux sens. Je suis d'accord. On fait déjà du tourisme à Mayotte. En tant que Mahorais, on fait déjà du tourisme à Mayotte. Et donc, le perpétuer, de l'améliorer. Et puis, ne pas s'arrêter qu'à nous. Il faut voir aussi ailleurs. Il faut faire venir des gens. Il faut leur intéresser. Donc, à partir du moment où on s'intéresse, on va les intéresser. Mais le prix du billet d'avion, ce n'est pas un frein pour faire venir des gens ici, en dehors de ceux qui viennent voir leur famille. Parce que 1000 euros pour des vacances, ça plombe un peu déjà le budget, non ? Exactement. Après, l'offre aérienne, c'est vrai que c'est très cher par rapport à Mayotte et que quand on regarde les touristes qui viennent à Mayotte, c'est des gens qui viennent de métropole. Et que si on voit que ce sont ces gens-là qui arrivent sur Mayotte, il faut faire en sorte d'utiliser cet levier pour justement réduire les billets et faire en sorte que les gens reviennent plus nombreux que ça. Et il y a aussi dedans l'histoire de l'aéroport de Mayotte, la piste longue
C'est déjà une épreuve d'atterrir. Inaya, sur l'aérien, et ce sera le mot de la fin. De toutes les façons, nous sommes tous d'accord, encore une fois, que les billets sont très chers. Oui. Donc, le débat n'est pas fini. Étant candidate, je serai parmi ceux et celles qui vont se battre pour la réduction des billets d'avion. Et puis voilà. Mais écoutez, madame, monsieur, ce débat s'achève avec plein d'espoir. On va pouvoir découvrir Mayotte si vous devenez conseiller départemental en juin prochain. Je vous souhaite donc bonne chance pour gagner vos élections dans vos cantons. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain débat. À très bientôt.